Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On commence avec la mobilisation des Gilets jaunes. Samedi 17 novembre, ils étaient près de 290 000 à se rassembler dans tout le pays. Putain, il faut chier ces Gilets jaunes, c'est pas possible. Vous êtes resté bloqué, Bernard Lapin. Mais non, c'est pas ça le problème. À cause des Gilets jaunes, personne n'a parlé de la victoire du 15 de France face à l'Argentine. Et j'irai pas face à l'Argentine. Ouais. Articulé, ouais, bon. Articulé, c'est le du matin. Des mois et des mois qu'on se prend des branlées pour une fois qu'on gagne, putain. En plus du coup, la défaite de ces lopettes de footballeurs est aussi passée inaperçue. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est quand même, c'est la double peine. Ouais, c'est vrai. Oh non, techniquement, je dis merci aux Gilets jaunes. Bonjour Denis Brognard. Bonjour à tous. Un nouveau jeu ce week-end. D'un côté, l'équipe des jaunes, que certains ont baptisé la tribu des Radinos. Oui, c'est ça. Remontés, énervés, ils n'ont pas envie de payer. Ils n'ont pas le totem d'immunité, mais font comme s'ils avaient tous les droits. En face, une autre équipe avec sa tête, Emmanuel. La tribu des Montbalek. La tribu des Montbalek, encore plus déterminée, car elle a réellement tous les droits, puisqu'elle a gagné le conseil il y a un an et demi. Bienvenue à Gazole Lontard. Merci, Denis. Monsieur Robles. Monsieur Sarkozy. Je veux dire une bonne chose. Dites-moi. Moi, je suis pour le mouvement des Gilets jaunes. Ah bon? D'ailleurs, si on pouvait réitérer les blocages, je sais pas, moi, le 13 janvier prochain, le 18 mars prochain, le 14 avril 2019. Donc, et tant pis si ça tombe pile le jour où j'ai une convocation chez le juge, c'est pas un problème. C'est bien ce qui me semblait aussi. Monsieur Montebourg, bonjour. Monsieur Rand. Ça faisait longtemps. Je vous salue bien bas. J'arrive à pas de chat. Oui. Ah, le Made in France est toujours vivant. Ben oui. Cette capacité à faire chier le monde. C'est nous, ça, hein. Cette faculté à foutre le bordel. Toute cette force. On a une énergie à se plaindre, à manifester, à protester. Si on avait la même énergie à bosser, on serait première puissance mondiale. Cocorico, monsieur Rand. Merci, monsieur Montebourg. Merci. Bonjour Renaud. Oula, bonjour Renaud, vous allez bien? Oui, toujours vivant. Oui. Toujours debout. Oui. Banane. Oh, vous avez vachement la banane. Rassurez-vous. Oui. Samedi, je me suis senti moins seul. Ah bon? Oui. J'étais pas le seul à être obnubilé par le jaune. Plus, j'ai eu beaucoup de bars, des bars à jeux. Barrageux. Ouais, ça là, c'est cadeau. Merci Renaud. Et du patron. Il y avait aussi beaucoup de bouchons et des débordements. Mon quotidien, quoi. Bon, alors, parmi les politiques qui ont soutenu ce mouvement des Gilets jaunes, il y a le député des Pyrénées-Orientales, Jean Lassalle. Écoutez-moi bien. Vous avez encore sur vous votre gilet jaune, non, c'est parce que je viens de faire une partie de chasse très fructueuse d'ailleurs, parce que j'ai eu un sanglier, il devait être trois champignons. Ce moment des gilets jaunes, il était particulièrement suivi. Regardez-moi ça, on a même mis sur les brebis. Regardez, c'est bien. Ouais, c'est beau. Puis ça fait bien compréhensif, vu qu'ici il y a plus d'habitants que de brebis. Regardez-moi ça. Salut Arthur. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission après vendredi tout est permis, aujourd'hui avec un gilet jaune tout est permis. Vous avez le droit de bloquer un rond-point sans autorisation, de faire un barbecue au milieu du carrefour, de faire un péage humain. Attendez Arthur, vous n'êtes pas solidaire? Ben disons que samedi j'étais en mode Michael Schumacher. Ah bon? Ouais, j'aurais voulu prendre la voiture pour le plaisir mais bloqué. C'est impossible. Bonjour Cyril Lignac. Qu'est-ce que j'entends? Oui. Il y en a beaucoup qui se plaignent, mais en fait, Macron, il a relancé une économie. Ah bon? Oui, il y en a quand même des secteurs en plein essor grâce à Emmanuel Macron. Ah bon? Avec toutes ces manifs, tous ces rassemblements. Qu'est-ce que c'est? Le marché de la Marguez est en plein boom. Qu'est-ce que j'entends? C'est vrai. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, ici, ici. Et vous pouvez même vous abonner ici.